Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver donc au potager qui dit non, avec quelques nouvelles, pas toutes bonnes, à commencer par les petits pois par exemple, pour lesquels on a réalisé des structures pour les faire grimper. A priori c'est complètement inutile, les petits pois, je l'ai appris là récemment, ne grimpent pas et donc on peut avoir la nécessité parfois de les resserrer, ça peut être une bonne chose comme on l'a vu entre deux grillages, comme on l'a vu donc sur la toile, hein, j'ai pu constater ça de la part de certains jardiniers, ça semble être une très bonne idée. En revanche des structures comme moi je les ai faites, c'est pas du tout nécessaire. Donc on va ressemer quelques petits pois aujourd'hui en ligne, hein, de manière plus conventionnelle. Tout simplement. Donc voilà, la connerie numéro 1, la voilà. On vous a dit qu'on partagerait tout avec vous, ce qui marche, y compris ce qui marche moins bien. Donc bon, voilà, c'est fait. On va revenir là-dessus. Encore une fois, c'est pas très lourd de conséquences, mais ça mérite d'être corrigé quand même. Ensuite, je vais procéder un petit peu aussi au semis de gazon fleuri sur l'extrémité de nos planches de culture, puisque on avait préservé un certain nombre d'espaces, hein, voilà, prévu à cet effet finalement, une manière d'inviter un peu plus de biodiversité dans le jardin. Et puis on va comparer également quelques salades entre celles que j'ai conservées à la maison et celles que j'ai amenées ici dans la serre assez vite. Vous allez voir que la différence est assez marquée. Et donc ça me conduit tout ça à amener un certain nombre de semis au stade de cotylédon qui ont été réalisés à la maison, et bien les ramener ici dans la serre rapidement pour les acclimater. Je vais rempoter un petit peu également et puis planter quelques-uns de ces plants de salade. Voilà. Allez, on se retrouve pour voir tout ça ensemble en image. Alors on est donc ici en face d'un certain nombre de plants de salade qui ont été semés à la maison et ramenés très rapidement après la levée dans la serre. On peut constater que les plants sont assez trapus, hein, voilà, on va peut-être mieux voir comme ça, voilà. Hein, les premières feuilles après les cotylédons se sont développées, tout ça de manière assez courte sur tige. Hein. Si on compare maintenant avec les plants d'à côté, alors je vais tourner un peu, voilà. Voilà, ceux-ci sont des plants de salade également, qui ont été semés exactement au même moment, mais qui sont restés à la maison depuis. Alors sous le puits de lumière, hein, dans le patio, néanmoins, voilà, ça a quand même tendance à filer. Hein, et on n'est pas du tout sur la même qualité, je dirais, que les plants qui sont arrivés ici dans la serre. Alors je viens donc de planter trois salades qui nous viennent de la maison, qui ont été semées et conservées à la maison. Voilà. Et à côté, trois salades qui nous viennent de la maison, puis de la serre, hein, qui ont été conservées ici dans la serre un petit moment. Ça va nous permettre de comparer. Et j'en garde d'autres à côté de ça dans les pots. Encore pendant je dirais une semaine ou 15 jours quoi, pour voir un peu comment ça évolue et puis essayer de tirer des conclusions de tout ça. Alors les pieds de potiron, vous pouvez le voir, se sont bien développés, on commence à voir les premières vraies feuilles entre les cotylédons. Les racines commencent à être un peu à l'étroit là dans ce petit godet. Je vais donc les rempoter. Hop là, voilà. Je vais donc les rempoter dans des pots de ce type-là et mélanger ce terreau à de la terre de jardin de manière à acclimater un petit peu les plantes, eh bien pas seulement au froid dans la serre par rapport à la température de la maison, mais également les acclimater au sol qui sera le leur là très très bientôt quoi. Alors voilà, je suis en train de préparer donc le lit de semences, hein, c'est-à-dire de préparer la terre très finement en surface de manière à accueillir toutes les graines de gazon fleuri. Je vous rappelle donc que le gazon fleuri nécessite d'être semé sur un terrain, disons, préparé de la même manière que pour un gazon classique. Hein, il faut apporter le même soin à la préparation du terrain que pour un gazon de graminée, hein, c'est essentiel. Donc là, voilà, ça nous permettra sur chacun de ces pôles, hein, donc 12 au total, eh bien d'inviter toute une cohorte d'insectes, un maximum de biodiversité. C'est souhaitable d'une part pour la pollinisation, évidemment, mais également pour essayer de, eh bien, d'héberger un certain nombre de prédateurs, peut-être d'autres insectes qui, eux, pourraient être des ravageurs
de notre potager, tout simplement. Hein. Je pense vraiment que le bien-être, en quelque sorte, de nos cultures passe par cette diversité au maximum. Alors, diversité dans les légumes, bien entendu, mais pas seulement. Voilà, donc dans cette boîte, vraiment, je sais pas, il y a un demi centimètre, vous voyez au fond là, il n'y a pas grand chose. Hein. Eh bien, l'intégralité des graines dont nous aurons besoin, eh bien, pour couvrir ces 12 parcelles qui font chacune environ un demi mètre carré, soit 5 à 6 mètres carrés maximum à semer. Le gazon fleuri, généralement, c'est de l'ordre de 5 grammes le mètre carré, donc c'est infiniment moins que le gazon de graminée hein, qu'on va semer pour un gazon en tout cas rustique à hauteur de 35, 40, 45 grammes mètre carré, quoi. Donc il faut y aller très très doucement. J'aurais aussi pu mélanger ces graines avec un peu de sable. Ça aurait pu être tout aussi bien pour faciliter le semis. Bon, j'ai un peu plus l'habitude, ça ira très bien comme ça. Et puis ensuite, on va recouvrir très légèrement ces graines. Et je ne vais pas arroser, on va laisser là encore la pluie eh bien faire son travail. Je ne tiens pas du tout à habituer, disons, ce mélange fleuri à des apports d'eau qui ne soient pas naturels. Allez, c'est parti pour le semis proprement dit. Probablement en deux passes, pas trop de graines sur un premier passage. Je serai au bout, il va m'en rester quelques-unes. Et à ce moment-là, eh bien, je repasserai un petit peu et pendre le reste avant de recouvrir le tout, quoi. Alors, je vous fais pas l'article hein, sur la totalité des espèces présentes dans ce mélange. Il y en a au moins une trentaine. Hein, les gazons fleuris se ressemblent tous. Hein, c'est sensiblement la même chose pour tous. Hop. Voilà, on passe au suivant. Voilà, donc en réparation de l'erreur que nous avons peut-être commis avec les petits pois, je viens d'ouvrir donc une tranchée dans le foin. Alors ça, c'est très facile, avec un couteau à découper le pain, ça marche très très bien. On a ensuite ouvert une petite saignée dans le sol. Encore une fois, bah regardez, hein, 'fin c'est très très meuble, hein, vraiment, voilà, c'est de la terre d'excellente qualité, en tout cas en termes de structure pour le moment. Et on va donc semer les petits pois de manière beaucoup plus classique. Voilà, les petits pois qui nous restent, 12 Provence. Voilà, on va faire une ligne bien dense ici. C'est peut-être un peu trop. Bon, je crois qu'on va pouvoir en faire une seconde à côté. Refermer un petit peu. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà, la terre est très très humide. Voilà, c'est très bien. Et on va laisser le foin de cette manière. On viendra replacer le foin ensuite sur la culture au fur et à mesure de la levée des petits pois, quoi, tout simplement. Ça nous permettra donc de comparer la méthode en poquet avec les bouteilles d'eau, la méthode en poquet sans bouteille d'eau et cette méthode en ligne. Dans tous les cas, je crois effectivement que les supports, tels qu'on les a imaginés, en tout cas, on peut oublier. Alors, j'en profite aussi pour faire une petite dédicace à mon copain Pascal qui m'avait apporté quelques échalotes. Et bien voilà, Pascal, hein, j'espère que tu peux avec bonheur constater que ces échalotes démarrent tout à fait bien. Je ne sais pas quel est le développement qui les attend en réalité, mais en tout cas, c'est pas trop mal parti. Voilà. Merci encore. Alors voilà, ici on peut remarquer quelques carottes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carottes que je suis venu planter, je peux bien dire planter et non semer, puisque ces carottes ont été semées en fin de compte en mini-motte préalablement. Alors c'était une expérience pour voir un peu si ça serait intéressant de travailler de cette manière pour ne pas avoir à démarrer les carottes ensuite. Honnêtement, je pense que ça peut très très bien marcher, mais bon, il faut s'astreindre après quand même malgré tout au travail de plantation, je dirais de manière individuelle. Alors c'est bien rangé, elles sont espacées de manière uniforme. Je ne suis pas sûr que ça garantisse pour autant un développement meilleur de la racine ensuite.
En tout cas, voilà, ça permet de tenter le coup, puis de comparer un petit peu, là encore, avec des semis qu'on a réalisés la dernière fois en pleine terre. Bien, voilà, alors pour terminer, nous avons retiré les P17 qui recouvraient nos plantations d'oignons et échalotes. On peut voir ici que ça commence à plier un peu là sous le poids du voile. Donc on les a retirés, hein, oignons, échalotes, ail, enfin voilà, surtout les bulbes sur lesquels on avait mis ce P17. Nous l'avons retiré, il a bien joué son rôle sur ce temps, en plus ça a bien tenu sur les planches, ce qui fait qu'on en a remis sur un emplacement où on a remis des petits pois. Et on peut constater ici ben, les premiers radis qui sont en train de lever vraiment très très bien. Ça me paraît un peu dense d'ailleurs tout ça, je sais pas comment ça va évoluer dans le temps. On verra, il faudra peut-être éclaircir ou alors peut-être que le prélèvement des radis les plus avancés permettra aux autres de se développer, j'en sais trop rien encore. On verra bien, toujours est-il que c'est enthousiasmant de voir cette végétation tout à fait souhaitée se développer de cette manière. Bon, pas mal de petites choses réalisées aujourd'hui, voilà, ça vient un petit peu s'ajouter au journal de notre potager. Je vous remercie vraiment de nous suivre. Vous êtes un peu plus de 500 aujourd'hui. C'est pas le but poursuivi, disons. Hein. On court pas après l'abonné. Loin s'en faut. Pour autant, ça fait quand même plaisir de voir qu'on peut susciter un peu d'intérêt dans ce qu'on fait. Et surtout, ça génère beaucoup d'échanges hein, avec l'un, avec l'autre. Et vraiment, je vous remercie pour ça. Il y a beaucoup de questions posées, il y a beaucoup d'avis donnés, de rectifications qui sont apportées, qui nous permettent aussi à nous d'avancer dans notre pratique. Donc voilà, je profite de l'occasion pour vous remercier pour ça. Et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao.